Tu enregistres ? Oui, tu peux commencer. Quand j'ai rencontré mon père pour la première fois, j'avais 16 ans. Il ne ressemblait pas du tout à ce que je m'étais imaginé. Il m'a tout de suite mise au même niveau que les autres maquisards. C'était dur. Mais j'ai quand même décidé de rester à ses côtés. Mon adolescence dans le maquis, c'était comme un film d'action. Évidemment, il y a eu des moments très durs. Mais je me sentais libre. Et puis, j'avais un semblant de père. C'est d'ailleurs lui qui m'a initiée au cinéma. Ça m'a tout de suite plu. Même si les hommes ne prenaient pas les femmes cinéastes au sérieux. Je m'en fichais. J'allais faire de grands films. Ce qui m'a valu pas mal de prix. Et filmer ensemble vous a rapproché ? Pas autant que j'aurais voulu. Je me suis sentie très seule dans le maquis. Et ça m'a endurcie pour la vie.